Bonjour et bienvenue sur mon studio TV pour une nouvelle interview aujourd'hui sur notre plateau. On est ravis de recevoir des amis. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. <rire> oui, <laughs> enchanté. C'est pas enchanté. Ça fait très longtemps, hein, vraiment. Je m'appelle Jongju. Je suis le travailleur, le festival de film coréen. Il s'appelle Nanko. Nant... Nanko, on dit ou oui, Nanko. Nanko est on a mis ensemble dango. Je m'occupe de voilà d'organiser euh, au maximum euh, les événements que l'on peut faire à Nantes notamment. Et. Et Corinne. Corinne. Donc je suis la vice-présidente de l'association Printemps Coréen. Donc euh, depuis euh, depuis le début, c'est-à-dire euh, il y a huit ans, de notre rencontre avec euh, avec euh, Junju qui. Euh, à démarrer une nouvelle aventure de création de, de cette association. Moi, je suis impressionné par le dynamisme que vous avez huit ans après avoir démarré un festival qui a laissé beaucoup de de bonnes ondes sur la place Nantel, parce que vous n'avez pas fait semblant. C'était un gros événement qui a duré plusieurs années, qui dure encore. On en parlera peut-être en fin d'émission. Euh, Aujourd'hui, on est là pour euh, parler de votre festival du film. Euh, comment est venue cette idée Cette idée-là, le Centre Culture Coréen à Paris, ils ont envie de faire de grands cinémas, publicités en France. Donc chaque province. Euh, Oh, il y a le Nantes, Montpellier, il y a une autre ville, je ne sais pas. Mais on a on créé le festival de films coréens à Nantes aussi. Il y a un public hein, pour le, ce type de films, euh, parce que le film, les films coréens sont de, de qualité oui, tout à fait. C'est euh, en Corée la nouvelle vague, on appelle ça la nouvelle vague euh, du cinéma, et qui a une production extrêmement euh, importante depuis une dizaine d'années maintenant, et qui euh, fait aussi tous les festivals internationaux. Donc euh, c'est important aussi d'être euh, aussi euh, printemps coréen sur cette, euh, sur ce, sur cette thématique-là du cinéma. Alors, euh, des films, comment vous avez fait la sélection une bonne question. Ah, bah C'était <laughs> une <Non>. joie. <laughs> c'est toujours un plaisir hein, de pouvoir choisir. <laughs> quand même, comme tu le disais, la qualité du cinéma coréen n'est plus à, à prouver. Elle est, elle est vraiment euh, excellente. Hum. Euh, en fait, euh, pour compléter ce que disait jong c'est le Centre culturel coréen, en effet, qui euh, euh, nous fait confiance et donc avait envie de continuer à diffuser le cinéma. Donc il y a un festival de cinéma à Paris hum. qui lui aussi a une sélection qui a lieu actuellement, là, du 26 octobre au 2 novembre. Et euh, donc, une partie de notre programmation s'est appuyée sur euh, la sélection officielle du, du festival à, à Paris. Du cinéma. Et donc, on a choisi notamment quatre films qui ont été peu ou pas diffusés euh, en France. Et puis après, c'était important pour nous de, de continuer les partenariats avec des salles de cinéma avec qui ont avait travaillé précédemment. Et donc, on a aussi. Vous, avec le 14A notamment Alors, pas avec le 14A cette année, mais ah ça pas, sera pour l'année prochaine. Pas. Non, ça sera pour l'année prochaine. C'est tout faux. On les a contactés, <laughs> mais voilà. Bon, on, on, mais euh, on va retravailler voilà avec le cinéma Bonne Garde et le cinéma Saint-Paul et euh, là on a essayé de trouver aussi des, des, des films voilà qui soient aussi grand public mais qui n'avaient peut-être pas eu euh, toute l'audience qu'ils méritaient euh, à l'époque voilà qu'on deux trois ans en général Cinématographe aussi Bien sûr, oui. c'est là où on va c'est là où on va diffuser la sélection officielle un peu de, oui. de, de du film de à Paris. Hum. Euh, donc voilà, il y a trois Catherine Didy J'espère que le public nantais appréciera de découvrir ces quatre cinéastes et ces quatre films. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur dans, dans, cette, action, dans cette sélection J'imagine que vous avez des, des goûts et des choix différents. Oui, effectivement, la, euh, le choix était très difficile hein, parce que les, je dirais que euh, euh, des, tous ont quelque chose euh, d'attachant. Et euh, ce qu'on a voulu vraiment euh, dans le choix, c'est de faire une, 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 une sélection où on montre la vie réelle euh, coréenne. C'est-à-dire qu'on voulait transmettre euh, par ces films une connaissance de la, de la culture euh, coréenne dans, dans le quotidien. Donc en fait, on a fait des thématiques. Donc il euh, y a une thématique sociale euh, sur le travail, le travail notamment dans l'industrie parce qu'en Corée il y a énormément d'industries, notamment au niveau naval, et euh, aussi dans la famille, la famille qui a un poids euh, extrêmement fort en, en, en Corée encore. Euh, l'humour, parce que l'humour mmh. c'est aussi une façon de de, de, de montrer on, on sait que dans tous les pays on n'a pas la, le même humour du tout donc euh, là c'est un humour très coréen et qui est une parodie hein, du bon de la bête et le truand et, donc qui s'appelle le bon la bête et le cinglé et qui est une épopée très drôle et euh, ensuite on a voulu aussi euh, prendre un film historique euh, dans le lien entre la corée du sud et la corée du nord mmh. euh, par un, un grand cinéaste qui est vraiment une star euh, donc euh, euh, en Corée et c'est un huis clos pratiquement et qui montre en fait cette tension là et il arrive à, à créer une atmosphère où, et tout en euh, tout en faisant passer des choses historiques euh, dans, cette, dans ce huis clos Est-ce que vous pouvez me rappeler les, les dates donc de ce festival du film Alors on a une soirée inaugurale le 4 novembre au cinéma Bonne Garde euh, où on diffusera un film voilà, qui s'appelle Burning. Mais on va présenter aussi ce que je disais hein, on, on est aussi euh, des producteurs de musique euh, à en coréen. Et donc on va diffuser un travail qui est en cours d'un duo de Jongju avec un musicien euh, rock électro qui s'appelle Jeff euh, Corbel et qui vit à Guérande. Donc une fois de plus, comme disait Corinne, on favorise la rencontre culturelle et un peu les chocs, les frictions. Et euh, donc venez, euh, venez à cette soirée d'ouverture parce que vous pourrez découvrir un. Euh, une partie de, de, de ce travail-là qu'on a appelé pour l'instant Voyage sans cesse. Oui. Je pense que vous aurez l'occasion de revenir nous voir pour nous en parler euh, avant l'événement. Et On sera ravis aussi de vous accompagner euh, sur cette édition. Merci beaucoup. M Merci, beaucoup. Merci euh, à vous d'être passé nous voir. Est-ce qu'il y a des choses qu'on qu n'aurait pas évoquées Non, venez nombreux voir les films. <rire> 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 le message est passé. Merci à tous les trois d'être passés et puis on mettra toutes les coordonnées, toutes les dates sur notre site. Comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview.